J'avais dit que j'allais faire une vidéo Game of Thrones à la fin de la saison comme d'habitude, mais là je suis obligé de parler de cet épisode. Game of Thrones, saison 8, épisode 3. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, je ne peux pas parler de cet épisode sans spoiler. J'avais vraiment envie d'attendre la fin de la saison pour faire une critique, vraiment comme d'habitude, mais cet épisode, putain de sa race. Je suis désolé hein, pour le vocabulaire, mais il n'y a pas d'autre mot qui me sort de la bouche que nom de Dieu, ce que je viens de voir. Je pourrais parler pendant des heures de cet épisode, c'est vraiment un épisode qui est incroyablement bien fait, et quand ils ont dit que ça sera l'une des plus grandes batailles de l'histoire du cinéma, pas de la télé, du cinéma, j'y croyais pas trop, mais au final, oui. Tu vois en fait les années de maîtrise cinématographique dans un épisode. Tu vois vraiment toutes les plus grandes batailles du cinéma en un seul épisode, hein, avec un mélange parfait de tons. Il y a des batailles épiques entre des armées, il y a des moments lugubres et sombres qui sont presque du film d'horreur, il y a des batailles de dragons, qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Il y a vraiment tout dans cet épisode et c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie, c'est vraiment ça. J'aimerais parler déjà de la narration de cet épisode, de la manière dont il a été construit et des différentes astuces qui ont rendu cet épisode beaucoup plus, on va dire, digeste et beaucoup plus impressionnant. Déjà, la première chose qui a été énormément marquante par rapport à cet épisode, c'est le fait que la Dame Rouge allume les épées de tous les Dothraki, parce qu'au fait, ça a permis d'avoir déjà de la visibilité sur le champ de bataille, parce que tu ne voyais rien du tout. Et au fait, quand tu vois toutes les lumières des Dothraki s'éteindre au loin, parce qu'ils se sont fait écraser, tu te rends compte de la taille et de l'échelle de la bataille qui va arriver. Donc déjà, ça c'est un effet très important qui a été bien mis en valeur durant tout l'épisode, c'était la lumière, et le fait que le feu joue un rôle extrêmement important, que ce soit avec les dragons ou la Dame Rouge, c'est pour une raison narrative de une, mais c'est aussi pour une raison, on va dire, de mise en scène, de visibilité pour les spectateurs. Sans la Dame Rouge, tu n'aurais rien vu durant tout le long de l'épisode. Et c'est ça qui est grandiose, au fait, c'est que ce jeu sur les lumières, il permet de créer des ambiances différentes. Au début de l'épisode, t'es vraiment désespéré, parce que tu vois les lumières des Dothraki s'éteindre progressivement, et quand les dragons apparaissent, le feu est une lumière d'espoir plus qu'autre chose, et quand les dragons partent, il n'y a que les cendres qui restent, et là, c'est vraiment le désespoir. Il y a un véritable jeu qui est fait sur les lumières, et il faut en parler, parce que c'est vraiment important. C'est pareil quand t'es dans le ciel, il y a que la lumière de la lune qui éclaire les dragons pour montrer à quel point ils sont déconnectés de la bataille, pour montrer à quel point ils sont loin et pour dire qu'au final ils sont tout seuls ici et dans le ciel et par terre. Le fait de changer vraiment de lumière entre la lumière de la lune et la lumière du feu au sol, ça montre bien la déconnexion entre les deux mondes et le fait qu'ils ne peuvent pas s'entraider. Je pense que la lumière c'est vraiment l'outil le plus intéressant et le plus pratique de cet épisode, à quel point il a été efficace. Justement quand tu vois les cendres s'abaisser sur la bataille de Winterfell quand ils sont rentrés en tranchée justement dans le fort de Winterfell, là tu te rends compte à quel point ils sont désespérés. À la fin quand tu vois justement la lumière rouge au loin s'éteindre et que tout le monde meurt progressivement, tu comprends vraiment l'enjeu de l'épisode. Mais le début, ces 10 minutes, le calme avant la tempête, c'était tellement le gouffre de Helm où t'as justement tout le monde qui attend l'arrivée de l'armée des orques et là l'arrivée de l'armée des morts, et quand Jorah revient après la défaite des Dothraki, là tu comprends que c'est vraiment la merde. La manière dont cet épisode a été progressivement plus intense est vraiment aussi incroyable, parce qu'au début quand l'armée se fait écraser en dehors du fort, oui c'est imposant, oui ça fait peur parce que l'armée des morts se balade un peu comme dans World War Z, ils escaladent, ils s'écroulent, ils font vraiment n'importe quoi, mais en même temps ils sont une vraie menace parce qu'ils ont des armes et ils peuvent te tuer. T'avais cet effet de masse qui était vraiment très important et t'es un peu perdu comme tout le monde durant cet épisode, et ça qui était génial. Mais dès que t'arrives à te retrancher dans la citadelle de Winterfell, ça devient beaucoup plus intime et tu te concentres de plus en plus sur les personnages. J'ai adoré aussi l'intervention de la Dame Rouge pour mettre en feu les tranchées où tu vois justement la flamme s'allumer littéralement dans ses yeux. Ce plan est incroyable. Elle était au bout des choses, elle était désespérée. Et là, tu vois justement la flamme de l'espoir. C'est pour ça que je vous dis que la lumière est extrêmement importante dans cet épisode. C'est vraiment au moment où tu rentres dans le château de Winterfell que ça devient plus intime et que tu vois justement Jaime et Brienne se battre et tu sais pas trop qui va survivre et tu sais pas trop comment ça va se passer, mais ils se battent ensemble, même s'ils sont débordés. Et t'es un peu en stress, même si l'épisode se concentre pas sur eux. Tu ressens un peu le stress qu'ils peuvent mourir à n'importe quel moment. Pareil pour Tormund, tu sais jamais quand ils pouvaient y passer. Mais c'est vrai que l'épisode se concentre sur d'autres personnages plutôt que cela. Et j'ai bien aimé ce parti pris parce que même Vergris a survécu. Je crois que c'est Vergris en français, c'est Grey Worm en anglais, donc vraiment je suis content qu'on se soit pas trop concentré sur eux, mais qu'on accepte quand même le fait qu'ils étaient là. Et ça me fait penser à une interview de Peter Jackson quand il disait que pour filmer de grandes batailles, t'es obligé d'avoir au moins tous les trois plans, un plan sur un personnage que tu connais. Du coup, Brienne et Jaime sont plus là pour te rappeler qu'il y a des personnages importants qui sont en train de se battre, plus que vraiment concentrer l'histoire sur eux. Mais vraiment, quand je pense aux différents plans de cet épisode, entre les dragons qui se battent dans le ciel, Jon Snow qui est devant l'armée des morts, le visage du Night King, tous ces moments vraiment épiques de bataille avec la lumière qui s'éteigne, il y a tellement de beaux
plans dans cet épisode est tellement une immersion incroyable, c'est vraiment surprenant de A à Z. J'ai jamais vu un épisode de télévision aussi impressionnant visuellement. Vous allez me dire, ils ont le budget et tout ça, mais oui, ils ont le budget et tant mieux qu'ils l'utilisent aussi bien. Maintenant, on va parler des différents personnages et sur ce qu'on devait se concentrer dans cet épisode. La Dame Rouge, j'ai bien aimé son intervention, j'ai bien aimé le fait qu'elle réussisse à motiver Arya pour justement aller sauver Bran. Elle m'a fait penser un peu à Doctor Strange qui a justement aidé les Avengers dans Infinity War et qui leur disait que c'était le seul moyen de gagner. C'était le Doctor Strange de cet épisode, dans le sens où vraiment elle joue la prophétie, elle a des pouvoirs complètement craqués et elle aide tout le monde. Et à la fin, quand elle a accompli sa tâche, elle dit justement qu'elle allait mourir, elle enlève son collier, elle redevient vieille et elle meurt. Donc j'ai vraiment bien aimé son intervention, elle a vraiment eu une vraie utilité et scénaristique et vraiment technique pour permettre justement d'avoir du feu et rendre la scène de bataille lisible. J'ai bien aimé aussi l'intervention de Sam, même si je trouve qu'il s'en est un peu trop bien sorti dans cet épisode. Il aurait peut-être dû rester à la crypte. Là, il servait pas vraiment à grand chose, sauf peut-être pour que Benji meure et le sauve. Mais sinon, en soi, il avait pas trop d'utilité. Et encore une fois, c'est vraiment pas le plus essentiel de l'épisode. Il servait pas à grand chose. Mais au moins, ça prouve qu'il a voulu se battre comme tout le monde. Et ça prouve qu'il voulait donner sa vie pour la cause. J'ai beaucoup aimé aussi les différents moments de courage de cet épisode. À un moment, tu vois Vergri vouloir se sacrifier. Il est complètement perdu. Il perd son souffle et tu sais pas trop ce qu'il va faire. Il est vraiment dans le doute et t'as l'impression qu'il veut faire quelque chose. T'as l'impression qu'il veut sacrifier. Et moi, je pensais qu'il allait trouver un moyen de se sacrifier en allumant le feu ou en faisant quelque chose de ce point de vue-là. Mais au final, il accompagne et protège la Dame Rouge. Mais c'est vrai que l'épisode joue sur plein d'aspects différents de ce point de vue-là. C'est qu'il se concentre à certains moments sur certains personnages. Par exemple, il se concentre sur Clegane et tu pensais vraiment que Clegane allait sacrifier ou allait abandonner le combat. Même si jamais Clegane n'allait abandonner ce combat, c'est un vrai. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que cet épisode arrive à se concentrer suffisamment sur des petits personnages, du moins pas sur les personnages essentiels dont on va parler juste après, pour te mettre le stress, pour te faire poser des questions et pour te mettre le doute tout le long. Donc quand Grey Worm reprend sa respiration, t'as le doute parce que tu sais pas ce qu'il va faire. Et vu comme dans l'épisode 2, il avait le droit à son moment émouvant avec sa copine, c'est vrai que tu pouvais te dire qu'il allait mourir. Pareil pour Brienne, vu qu'elle a eu son arc narratif conclu, tu la voyais probablement mourir. C'est ça qui était vraiment génial par rapport aux deux premiers épisodes dont j'ai pas parlé, c'est que sans cet épisode 3, c'est difficile d'en parler parce que t'as pas grand chose. Maintenant que t'as vu l'épisode 3, tu sais pourquoi les épisodes 2 et 1 étaient vraiment efficaces. C'est que ça concluait des arcs narratifs pour te mettre le stress durant cet épisode. Comme ça, cet épisode, tu sais jamais qui va mourir et tu sais jamais comment ça va se finir. Et c'est dingue parce que le personnage auquel je m'attendais pas qui meurt, c'est Jorah. Jorah, je le voyais vraiment survivre cette bataille. Et quand j'ai vu Khaleesi tomber du dragon et j'ai vu Jorah la sauver, là j'étais sûr qu'il allait mourir. Mais c'est vrai que t'as tout ce moment où Jorah a encore sauvé la Khaleesi, tu te sens vraiment content pour lui parce qu'il a donné sa vie pour la Khaleesi, même s'il s'est fait friendzone toute sa vie, hein, y a pas de souci. Mais là tu voyais vraiment l'honneur du mec et son sacrifice est vraiment très émouvant, je trouve, et il est vraiment marquant à mes yeux. Jorah, tu as été un vrai héros de la friendzone, merci. J'ai bien aimé aussi le fait que Sansa et Tyrion étaient restés dans la crypte et qu'ils se soient vraiment protégés et qu'ils aient essayé de sauver les gens qui sont encore dans la crypte. Ça montrait bien leur loyauté envers leur peuple et en vrai ils pouvaient pas faire grand chose durant le combat. Tyrion, il serait fait buter par le premier zombie qui arrive, il est pas assez compétent et c'est vrai que sa taille aide pas énormément. Et Sansa, pareil, elle s'est jamais battue de sa vie. Mais j'ai bien aimé le moment émouvant qu'il y a eu entre les deux où vraiment ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre, mine de rien. C'est que Sansa lui dit t'étais le meilleur de tout ce que j'ai connu et c'est assez touchant et ils se disent même peut-être qu'ils vont finir ensemble à la fin, mais que ça serait impossible par rapport à Daenerys. C'était assez mignon de voir ça et de voir qu'il peut-être y aura un truc avec les deux, parce que c'est vrai qu'ils faisaient un beau couple, plus ou moins. C'était pas vraiment un couple, c'est un peu compliqué, les mariages forcés c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un couple, mais j'ai trouvé cette scène vraiment touchante et impactante dans la série, c'était vraiment bien. Un petit mot aussi pour Lyanna Mormont qui vraiment a... je pensais qu'elle allait se faire déboîter par un géant de glace, et tu la vois courir et se donner à fond du haut de ses 9 ans pour buter ce géant de glace, et le géant de glace l'écrase dans sa main, mais elle arrive à lui foutre une dague dans l'œil, ce qui lui permet de tuer le géant de glace. Mais j'étais quand même pas prêt de la revoir revenir à la vie après. Je voulais qu'elle reste morte parce que c'est une gamine et j'ai pas envie de la voir en mode zombie, mais c'est vrai qu'elle avait son petit moment héroïque qui était assez mignon, et la voir mourir et se battre vraiment pour son peuple parce qu'elle est très patriotique, elle a toujours été une bonne leader, une bonne chef, du coup l'avoir sacrifiée comme ça, c'était un beau moment pour elle. Bien joué Mormont, tu t'es donné à fond. J'ai aussi adoré le moment où Tauros parle à Clegane et lui dit faut que tu te battes, et Clegane, de ses 2m30 de pessimisme, sort à un petit non, on est dans la merde, c'est fini. Et quand Tauros lui dit que Arya est dans la merde, le mec il sprint, hein. Le mec il hésite même pas une seule seconde, et ça c'est le Clegane que j'aime, et c'est ça le Clegane que je voulais voir, un mec sprinter pour sauver Arya. On va reparler de Arya juste après parce que c'est quand même elle l'héroïne de cet épisode. Mais c'est vrai que ça a fait du bien entre guillemets de voir Tauros mourir parce qu'il est revenu à la vie plein de fois, mais maintenant qu'il a accompli son rôle de sauver Arya pour permettre à Arya de faire quelque chose de bien précis, on a bien eu cette fin de prophétie qui était très marquante, je trouve, de le voir enfin se sacrifier et d'être sûr qu'il n'allait pas revenir à la vie. C'était vraiment un bon moment très héroïque, il se bat vraiment à fond pour sauver Arya, et t'as justement la Dame Rouge qui lui dit que c'était le dernier moment de sa vie et qu'il est revenu à la vie énormément de fois pour ce moment là. Faut aussi évidemment parler de Théon et de Bran. Théon, quel héros mec, t'as plus de couilles mais t'as un vrai gars, c'est sûr. On est à un moment où le mec a eu un arc narratif, une rédemption incroyable durant cette série, et son sacrifice était vraiment marquant et touchant. Et quand Bran le regarde et lui dit
Théon, t'es un bon gars. Il lui dit, je crois, you're a good man. J'avais une petite larmichette, je me suis dit, putain, c'est un bon moment, ça. C'est vraiment une série incroyable, déjà de une. Et vraiment, c'est un bon moment de voir Théon mourir comme ça. Et j'ai fait mon deuil de Théon. Quand Bran lui a dit ça, j'ai fait, vas-y mec, donne tout. Tu vas te faire éclater par le roi de la nuit, le Night King. Mais donne tout, c'est un bon moment, donne tout. Et c'est vrai qu'il se fait exploser comme une merde. Mais c'est le Night King et on voit bien qu'il déconne pas du tout. Maintenant, parlons un peu de Daenerys et Jon. J'ai beaucoup aimé les voir dans le ciel sur leur dragon. Dès le moment où il y a la tempête de neige, j'ai adoré être complètement perdu avec leur dragon. Et à un moment, t'as Jon qui se choque avec Daenerys dans les airs. Et j'étais trop en stress parce que déjà, tu vois rien. Et tu sais pas si le dragon avec lequel il s'est choqué était Daenerys ou le dragon du roi de la nuit. Et justement, quand ils sont dans la tempête de neige et ils sont complètement perdus. Toi aussi t'es complètement perdu et t'es trop en stress. Tu sais pas comment ça va se finir, tu sais pas quand le dragon du roi va arriver. Et t'es pas serein. Tous les combats aériens avec les dragons, quand tu vois les dragons du sol, genre du point de vue de Théon où il voit justement les dragons s'affronter, tu vois vraiment l'échelle du combat et à quel point c'est imposant. Mais quand ils sont dans le ciel, et encore une fois le plan sur la lune est vraiment incroyable. Je sais pas si le dragon de Daenerys a survécu parce qu'il se fait quand même escalader par 150 000 zombies. Je sais pas pourquoi il s'est pas envolé beaucoup plus tôt. Peut-être c'est Daenerys qui lui a pas ordonné de le faire, ou alors de cramer tous les zombies autour de lui au lieu de genre foutre des coups de que t'es un dragon, hein, tu peux allumer tout le monde, hein, c'est littéralement ce que tu dois faire. J'ai trouvé ça un peu bizarre, il a mis du temps à s'envoler et à partir, c'est comme ça, mais c'était quand même un bon moment de voir le dragon envahi par ses zombies et le voir voler avec, et voir ensuite les zombies retomber au sol, ça faisait vraiment apocalypse et c'était vraiment ce qui était le plus important. Et voir Khaleesi sans ses dragons, ça montre bien qu'elle est extrêmement vulnérable et qu'elle peut mourir à tout moment. Pendant une seconde, j'y ai cru, hein, vraiment. Mais tout le passage avec Jon, dès qu'il tombe de son dragon après avoir vaincu plus ou moins le dragon du roi de la nuit, dès qu'il tombe sur son dragon et il court sur le roi, et tu vois justement le Night King se retourner et lever toute l'armée de zombies. Là, honnêtement, t'étais pas bien pour Jon. Alors oui, j'ai trouvé ça un peu bizarre à quel point les zombies autour de Jon ont disparu vite, parce que t'as un plan où il est complètement entouré par une armée, et le plan d'après, il y a plus aucun zombie autour de lui, et t'as Khaleesi qui arrive et qui le sauve. Oui, j'ai trouvé ça un peu bizarre et un peu facile, c'est vrai, mais sinon, au moment où il est vraiment déterminé pour courir et tuer le roi de la nuit, le Night King, j'ai adoré ça, quoi. Et le moment où le Night King se fait allumer, il a toujours un visage monotone, hein, et le moment où il se fait allumer et il est encore en vie, et il sourit, c'était vraiment parfait. Et ensuite, tout le moment où Jon et tu vois les cendres retomber traversent le château, j'ai trouvé ça vraiment très apocalyptique et très menaçant et très stressant de voir justement à quel point il est perdu sans son dragon et à quel point il est perdu dans cette bataille. Et il voit tous les morts revenir à la vie et tout le monde les voyait revenir à la vie et tout le monde était en stress. Et il court et les cendres retombent et tu sais pas quoi faire. Et t'as un moment où il est contre le dragon du Night King et il se lève et il abandonne et c'est là que tout change. Parlons maintenant de Arya, cette tuerie, cette femme incroyable, cette personne qui a changé le monde. Arya, déjà la scène dans la bibliothèque ou dans le château, justement, quand elle était en train de s'échapper des zombies, de l'armée des morts, où elle passait de bibliothèque à bibliothèque et se cachait sous la table, c'était vraiment une scène stressante qui faisait plus film d'horreur qu'autre chose. Et le moment où la Dame Rouge lui dit que c'est son moment à elle, ça m'a fait penser à Avengers Endgame, sans spoiler, vous savez de quel moment je parle, qu'elle court pour buter le roi de la nuit. Déjà, quand le roi de la nuit l'a chopée, je pensais qu'elle était morte, j'y ai cru à 100%. Pour moi, Arya était finie. Vu à quel point le Night King est complètement craqué, Arya, elle était terminée pour moi. Et voir la lame tomber et l'avoir récupérée et tuer le roi de la nuit, Arya, franchement, t'es la meilleure, t'es la personne la plus incroyable de Game of Thrones, t'as eu l'une des meilleures évolutions dans cette série, et tu peux dire que t'as gagné toi toute seule contre l'armée des morts, et ça c'est incroyable. Franchement, si vous tuez Arya dans cette série, j'arrête. J'arrête tout, c'est pas légal. Il reste plus que Cersei, hein. Cersei maintenant c'est facile à buter, envoyez Arya un dragon et c'est fini. Non, en vrai, envoyez même pas de dragon, envoyez Arya, il va buter tout le monde, c'est génial. Bref, Arya, y'a rien à dire, t'es la meilleure, et je t'aime, c'était incroyable. Un dernier petit mot quand même pour parler à mes yeux de la personne la plus importante de cet épisode, c'est le grand et l'unique Ramin Djawadi. Pour ceux qui ne savent pas, Ramin Djawadi est le compositeur de Game of Thrones et de plein d'autres séries et films, dont principalement Westworld. Mais Ramin Djawadi, il a fait l'une des plus belles choses que j'ai entendues de ma vie. C'est l'un des plus beaux moments auditifs de ma vie. Je voulais pleurer tellement la musique était belle. Et ce qui est dingue par rapport à ce moment-là, c'est que t'as 20 minutes ou peut-être 15 où il y a que de sa musique à lui et personne ne parle. C'est vraiment l'apocalypse, c'est la fin du monde et il y a que ce piano. Enfin, ça commence au piano et progressivement, ça rajoute des instruments. Progressivement, ça devient crescendo, c'est littéralement la définition de crescendo, mais la manière dont la musique était utilisée dans cet épisode, c'était phénoménal, y a rien à dire, c'est l'une des plus belles choses que j'ai entendues de ma vie, et l'utilisation des images et de la musique était parfaite. Donc Ramin Djawadi, merci à toi, tu as fait l'une des plus belles choses dans Game of Thrones, sûrement la plus belle chanson de Game of Thrones à mes yeux, il y avait celle de la saison dernière qui était vraiment incroyable aussi, mais celle-ci était vraiment incroyable, donc s'il vous plaît, dans les commentaires, lâchez tous un petit merci Ramin Djawadi, tu as été incroyable. Voilà, petite vidéo pour parler de Game of Thrones, c'est vraiment un épisode de inoubliable. C'est la bataille de Winterfell, ça restera, je pense, à mes yeux, pendant longtemps, l'un des meilleurs épisodes de télé de l'histoire de la télévision. C'est vraiment incroyable, quoi. J'en ai pas les mots, c'est phénoménal. En une semaine, je me suis tapé Avengers Endgame et cet épisode
lourd ma semaine, vraiment très très lourd. Je sais pas s'il y aura d'autres reviews d'épisodes, peut-être je vais que refaire la fin de la série. On verra parce que j'ai mes examens, j'ai cours lundi prochain, c'est un peu compliqué. Là j'avais de la chance parce que j'avais pas cours ce matin, sinon il y avait pas de vidéo. Là je fais ma vidéo et je vais en cours pour vous dire. Mettez-moi dans les commentaires un petit merci Ramin Djawadi. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.